Salut à toutes et à tous, c'est Vivoine, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Donc vous voyez, je viens de prendre le contrôle de Milta. On est autour 411 à l'année 1990, donc c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. Donc en fait, j'ai été tèche de Milta, j'ai pas compris pourquoi. Puisque j'ai gardé mon libre passage ici, là, avec mes dogmes, avec toutes les cités d'État. Donc voilà, on a légèrement avancé. J'ai 4 bombes A en ma possession. J'ai la possibilité de créer des bombes H qui sont en construction. Voilà, là, comme vous pouvez le voir, on a... C'est énorme, on a pas mal de porte-avions à différentes zones. Tac, on en a ici, on en a ici, et ils attendent que des bombardiers. Voilà, on a, comme vous pouvez le voir sur ces 70 villes violettes, on a des bombardiers qui sont en attente, des chars d'assaut là, des aéroports en construction aussi. Et le but, ça va être d'attaquer la Grèce. Grèce qui est en alliance actuellement avec les violets. Donc normalement, ça devrait déclencher la guerre aussi contre les violets, les autres violets, les roses, on va les appeler les roses, l'Empire Perse. Et si c'est le cas, ça pue du cul parce que bon, on a 10 000 d'attaque, ça va. 800 600, ah, on est quand même au-dessus, on est quand même au-dessus, on est quand même au-dessus. Mais je revérifie juste ça. Ouais, c'est ça, lui est en alliance avec les deux. Et du coup, si on attaque Athènes, eh bien alors, c'est la merde. C'est la merde pour nous. Donc vous ne pourrez pas attaquer de là. Ok, c'est pas grave. Je dis pas de bêtises, hein. Vous ne pourrez pas attaquer de là, vous pouvez attaquer Carthage, mais du coup c'est dommage, c'est pas le but, ok. Bon, eh bien, messieurs, mesdames et les autres, c'est parti, nous allons rentrer en guerre. On est autour 400, ça fait pas mal de temps que j'attends ça. Yes, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et j'aimerais bien, dans un premier temps, balancer une petite surprise. Est-ce que vous êtes... ouais. Une petite bombe A. Voilà, j'en parlais dans l'épisode précédent. C'est vrai que ce serait... Bah, ce serait cool. Ce serait canon. J'ai envie de balancer une bombe A sur Athènes. J'ai aucune idée de ce que ça fait. J'ai des espions aussi qui ont pu péter un peu Knossos. Et j'en ai un qui va aussi attaquer Washington. C'est Marzio en plus qui est au niveau 2 ou 3, je sais plus, qui a reçu plusieurs promotions. Donc qui va permettre de manifester là-bas et d'obtenir des barbares peut-être contre la ville. En tant qu'espion, voilà. Si vous effectuez ce déplacement, vous entrez en guerre avec la Grèce. Vous êtes prêts? J'attends ce moment depuis plusieurs heures de préparation là. Parce que les tours sont très longs les derniers. Donc là j'ai réveillé toutes mes unités, normalement. On est bon, normalement. On est bon, là, j'ai pas de fail comme au dernier épisode avec les deux villes. Les deux villes. Qu'est-ce qui se passe? C'est une animation, là? Waouh, je suis bouche bée. Je m'attendais pas à ça du tout. Et je suis en train de me rendre compte. Waouh, c'est incroyable. Et je suis en train de me rendre compte qu'avec les 3 autres bombes, je peux attaquer les 2 autres capitales sans problème. C'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est tout bonnement incroyable ce qui vient de se passer. La bombe A est incroyable. Puis la bombe H doit être encore plus violente. Oh, tu m'étonnes. Je suis clairement au-dessus. Notre ville peut attaquer à distance. Pourquoi? Ah putain, Mascaté, t'es contre nous du coup. Ah ouais, mais non, ça va pas le faire. Je vais juste, hop, positionner ça, histoire que Mascaté ne soit plus en guerre avec nous.
Parce qu'elle s'est fait avec la paix avec Trajan et avec Miltabaï. La Milta a déclaré la guerre à Trajan. Ok, donc on a juste déclaré la guerre à Périclès. C'est hyper violent ce qui vient de se passer. Hein. C'est hyper violent. Et bien c'est parti pour prendre Athènes directement. Let's go. Let's go, let's go. Prenons Athènes directement. Param. La Grèce a vu sa capitale prise par Rome. C'est bon ça. On annexe la ville, mon gars. Et on augmente dans le classement général. On a 7 capitales de capturer. Par contre, là, je suis super chaud pour balancer des troupes là-bas, en fait. Washington. Attends. Il faut absolument que vous... Vous allez là, hein. Ah ouais. Faut que vous allez là pour les prochains tours là. Bon attends, j'ai pas forcément besoin. Mais toi, faut que vous allez à Washington les gars. Vous faut que vous allez à Washington mais direct. Direct, direct. En deux tours t'es là-bas. Ouais, puis j'ai le PM plus 1 territoire allié. Wow, c'est incroyable. C'est incroyable. Il faut aussi que j'ai des gens qui aillent là-bas. Faut absolument que j'aille à Pagrade là. Ah quoi que. Eh non, faut que j'aille à Pagrade. Est-ce que toi tu iras plus vite? Pas forcément. Oh, putain, c'est incroyable ce qui vient de se passer. En deux tours t'es là. Oh bah oui, les prochains tours on va aller les chatouiller gentiment. Les deux autres capitales. Si on peut gagner en deux tours là, en trois tours, ce serait fantastique, vraiment. Ce serait vraiment fantastique. C'est bon, bon, t'as un pouvoir de malade. Bon, Athènes, franchement, on s'en fout un peu là. Le quartier requis est contaminé. Tout est contaminé du coup. Ah, j'adore. Enfin, j'adore. C'est horrible en vrai. Mais, ouah, c'est incroyable. La bombe H a tout contaminé, a tout défoncé Athènes là. Bah, c'est parfait. C'est parfait. C'est horrible, hein, mais c'est ce qu'il nous fallait. Allez, c'est toi qui as attaqué. Ok. Donc, non, plus de bombe H pour l'instant. Ah, il faut peut-être que. J'arrive dans la ville pour la découvrir un peu. Voilà, parfait. Donc là, vu que la ville est découverte, normalement, cet avion-là va pouvoir attaquer. Pas cet avion-là qui a fait un massacre. On peut le dire, mais voilà, cet avion-là. Donc on va péter Knossos. Voilà, parfait. Toi, tu peux attaquer qui? Bah tu vas pouvoir attaquer ça, c'est pas ouf, mais voilà, attaque lui. Toi tu vas nous attaquer Knossos aussi. Punaise, la guerre ça commence super bien là. Ah oui, je pensais que ça allait être long comme guerre, mais finalement il y a moyen que ça se raccourcisse. Après on vient tout juste de leur déclarer la guerre aussi, hein, donc j'ai pas énormément de mérite. C'est-à-dire que là on est sur le premier tour de l'attaque. Voilà, là, on est vraiment sur une guerre surprise, une guérilla très violente pour eux. Très violente même. On va peut-être pas faire ça. Voilà, on va peut-être d'abord attaquer avec ça. Ça me paraît plus intéressant. Voilà, on va attaquer avec Mycène. Ou faudrait qu'on se mette d'accord, remarquez, sur qu'est-ce qu'on attaque, qu'est-ce qu'on attaque pas. Eh bien, on va attaquer Mycène pour l'instant. Bah, quoi que, ce qui serait intéressant, ce serait de péter Argos. Ce serait de péter Argos vu qu'on est juste à côté. Voilà. On pète Argos. Super. Une ville avec 11 habitants quand même. Non, pas toi. Voilà. Pour l'instant, on va faire attaquer vraiment les bombardiers. Ça fait plaisir.
Surtout que si on détruit en plus Argos, là le petit chasseur qui est là-bas, et bah du coup c'est fini. Ah oui, c'est bon. C'est très bon ça. Hop, on rentre dans la zone. Tac. Mais c'est pas toi que je voulais. Voilà. On continue sur les bombardements. Bah, je vais faire rentrer. Voilà, toi tu vas venir. Hop. Attends, tu veux pas? Voilà. J'ai pas compris pourquoi tu pouvais pas. Ah voilà, ça c'est. Toi tu peux. Parfait. Parfait, parfait. Argos, deuxième ville capturée. Tu es à nous, mon grand. Bon alors d'abord, toi, du coup on peut te préparer. Vu que tu n'as rien fait. Okay. Voilà, coucou toi. Ok. On vous a déjà fait. Ah voilà, toi, tu peux attaquer. On va attaquer Pharsalos. Pharsalos, Pharsalos. C'est parti. Punaise, là on. Ça commence à faire très très mal. C'est pas vous que je voulais. Encore. Tac. Pharsalos. C'est parti. Pharsalos encore. Non, non, pas toi, pas toi. Sinon je vais rentrer en guerre contre l'Amérique. C'est pas encore ce que je veux bientôt, mais c'est pas encore ce qu'on veut. Patiente-toi un petit peu. Ah toi aussi t'avais pas attaqué, bah bordel. Là on n'a pas encore tout fait, on a fait un tiers des bombardiers à peu près. C'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Bon bah non, forcément je peux pas d'ici. Je peux attaquer toi? Oui, parfait, c'est très bien. Je peux t'attaquer d'ici normalement. Voilà, tac. Excellent. Est-ce que d'ici tu peux attaquer? Oui, la réponse est oui, ça fait plaisir. Est-ce que là je te détruis? Oui, la réponse est oui normalement. Ça c'est très cool. Pharsalos, tu nous appartiens maintenant. Punaise, c'est bon ça. Toi, tu peux encore y aller en un tour là? Non. Merde, je suis con. Tu vas te faire descendre. Tu vas te faire descendre, tu vas te faire descendre. Ok. Oh oui, tu vas mourir toi. Je pense que tu vas mourir au prochain tour. Y'a moyen. Y'a moyen, y'a moyen. Non, j'aurais dû attendre les attaques des bombardiers encore. Bombardiers qui pour l'instant se concentrent essentiellement ici. Je crois qu'on les avait fait ceux-là. Hein. Ouais. Toi, est-ce que d'ici. D'ici, ça m'étonnerait quand même. Oh si. Mais non, vous pouvez attaquer Mycène. C'est génial. Mycène qui a. Attends. 24 habitants, c'est énorme. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, on est sur un des derniers épisodes et waouh. Ça va se finir en beauté. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et normalement, toi qui as capturé Argos. Ah non, ça va être en deux tours. Merde. Est-ce que tu peux y aller? Non. La réponse est non. Toi, peut-être qu'en un tour, oui, tu irais normalement. Allez, viens nous débloquer Mycène. Mycène, je veux que tu sois à nous. Voilà, voilà, voilà. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, Mycène. Tu passes de 24 habitants à 18. Ce qui est pas mal, ce qui en fait une des plus grosses villes, peut-être la plus grosse d'ailleurs. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Allez, on va te réparer ton grenier. Ne t'inquiète pas, mon grand. Ok, la vache, incroyable. Est-ce qu'ils ont attaqué? Non, même pas, ils ont pas. Ces deux-là ont attaqué, oui. Ils ont pas tous attaqué là. C'est plutôt cool pour nous. Allez, qui on attaque maintenant? Qui on attaque? On était parti sur Knossos, hein.
Donc c'est parti. Punaise, tout le nord là, enfin tout le sud plutôt de la Grèce, donc la grande île de la Grèce, va peut-être partir en un tour, au tour 411 en l'année 1990. Bon déjà, contrairement à l'histoire normale, je vous ai rajouté pas mal de siècles. Hein. Vous pouvez être content, vous pouvez être content. Ok, parfait. En un tour. T'es ici du coup normalement, à Knossos. Oui. J'adore la guerre. Incroyable. Trop bien. Knossos, population de 17 pour l'instant. Tu viens avec nous. Allez, on va faire un petit grenier ici. Voilà, et nous on continue. Nos guérillas. Voilà. Et on va attaquer ma deux villes encore. Eh bien, Éphèse. Éphèse qui devient la capitale provisoire pour l'instant de la Grèce. De la Grèce antique. Enfin, antique du coup, non. C'est plus la Grèce antique. Allez, cocotte, tu dégages. Est-ce que tu peux attaquer de là? Non. Tu vas devoir attaquer ça, toi. Ok, très bien. Merde. Du coup, en faisant ça, tu ne peux pas attaquer. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bah toi, non. Toi, tu devais faire dodo. Voilà. Toi, tu dois faire dodo aussi. Très bien. Tu vas faire dodo également. Là, c'est les porte-avions qui se sont placés juste là. Ok. Ouais, d'ici. Est-ce que vous pouvez attaquer? Je ne pense pas. Hein. Non, en effet. Vous ne pouvez pas attaquer d'ici. C'est pas grave. Je vais vous faire passer votre tour pour l'instant, vu qu'on n'est pas encore en guerre contre la Perse. Mais ça pourrait être intéressant de vous garder sous le coude. Bah, du coup, bientôt. Bientôt, bientôt. Ah bah toi, hop. Je crois que t'as mérité ton espadon, ton nouveau grade, mon gars. Mais haut la main, hein. Vraiment. Non, on va faire attaquer du coup ce qui serait bien. Donc, quoi, tu peux pas attaquer de là? Portée d'attaque 3. Ah putain, c'est qu'il y a un putain de... Tu peux pas t'attaquer... Eh bah, enfin les gars, quand même... Tu peux pas attaquer de là. Sans déconner. 1, 2, 3. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait que je peux pas attaquer là? Et là, je peux attaquer. Ok, je comprends pas. Comment ça se fait? Ok, d'accord, trop bizarre. Enfin, je trouve ça trop bien. Hein. Ok, bah let's go. Hein. Continue sur ta lancée. Voilà, on va y aller à l'ancienne. Ok, ouais, je trouve ça vraiment bizarre. Mince. C'est pas ça que je voulais. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ok, bah vous allez servir à rien pour l'instant. Bah si, vous allez pouvoir venir là. Vous allez pouvoir venir là, vous accoster sur la côte. Tout simplement. Toi, hop, tu vas te reposer à Knossos. Et toi, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que tu vas pas aller au casse-pipe? Peut-être. Donc non, toi, tu vas rester là pour l'instant. Toi, par contre, tu vas aller attaquer. Ah oui. Ok, parfait. Est-ce que... Ah, tu peux attaquer Éphèse, merde.
Ah, je savais pas qu'il me restait des unités qui pouvaient attaquer. Je ne savais pas. C'est pas grave. Toi, tu vas pouvoir nous recruter des partisans. Voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Il va pouvoir nous recruter des partisans. Alors, tout ça c'est bien mignon, mais avant ça... Ok, tu peux attaquer que Washington. Ok, tu vas rester là. Avant ça... On va faire attaquer du coup les bombardiers. Logique. Ok, vous avez déjà attaqué. Bah tant mieux. C'est parti pour l'attaque de Knoomega, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ok. Tac. Allez hop, Sparte. Tu vas tomber ce tour. C'est parti. Voilà. Tac. Allez hop, va-t'en. Ok. Ok, allez, let's go. On attaque un petit peu par là. Oh, bah c'est bon là. Parfait. On va pouvoir accoster par ici. Et on va pouvoir même attaquer. Nickel ça. Et il me semble qu'il y en a un qui n'avait pas attaqué. Mégare, parfait. Voilà. Tac. Nickel, super. Ok. Hop, tu vas aller bah, juste ici en fait. Très bien, Espar, tu vas nous faire quoi? Oula, tu vas réparer ton grenier. Et on va terminer ce tour qui nous a fait prendre la capitale. Enfin, ouah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, et toi, du coup, autant que t'ailles par là. Bah toi, pareil, hein, tu vas aller... Ok, bah tu vas aller par là, même si ça va pas forcément servir à grand chose. Ouais, on va vous déplacer dans les prochains tours. Non, toi tu fais dodo, mais ouais, incroyable ce qui s'est passé. Vraiment trop bien. Trop bien. On a chopé la capitale de la Grèce, Athènes. Et pas que, hein, on a vraiment chopé énormément de villes. Et Athènes est vraiment sous l'uranium. C'est ça. Donc, ouais. On a des morts, ça va être la guerre quand même. Waouh! Incroyable, tout ce bruit dans mes oreilles. Génial. Non, c'est mort. D'ailleurs, oui, j'ai exigé des dons envers Washington, Athènes et la Perse. Et du coup, c'est pour ça que j'ai autant de ressources en haut, en minerais, en chevaux, etc. Ressources qui ne me servent à rien. Hein, voilà. Tant que j'ai deux d'uranium en ce moment, tout va très bien. Peut-être du pétrole aussi, non? Mais bref, voilà. Tout va bien, bordel. On a déjà ratissé la zone en un tour, quoi. En un tour. Athènes n'aura pas survécu très longtemps. Voilà, je m'attendais à beaucoup plus de résistance. Bien que le futur nous... Je vois. C'est un échec de leur recrutement de partisans. Du coup, Athènes bah, garde quand même 1720 de puissance militaire. Ah ouais. Elle est où sa puissance militaire? Je comprends pas.
Oh là là, ouais, t'as des avions, ok. C'est tout. C'est tout, c'est tout, je vois pas où, à moins qu'il soit caché ici. Je ne sais pas. En se défendant, non. Ok. Non, toi t'as été capturé. Fais chier. Non, on va pas. Pour l'instant, on fait rien. Pour l'instant, on n'attaque pas. On n'attaque pas la Perse et l'Amérique. Quand mes unités auront monté ici, seront montées ici, je pense qu'on pourra du coup les attaquer histoire qu'il y ait des unités qui aillent directement à Washington et directement à Passagarde. Mais pour l'instant, non, on ne fait pas ça. Cyrus achevé. Le Christ Rédempteur, une merveille mondiale. Eh bien, tant mieux pour toi. Oh la vache. Ok, Mamba, tu vas faire un bombardier à réaction. Très bien, eh bien, nous allons continuer à faire un bombardier à réaction. Putain, ce fut du coup un épisode qui dure, ouais, qui a un tour, deux tours. C'est ouf. Ok, et dans, il nous reste que 88 tours hein, pour finir cette partie, hein, donc faut faire attention, faut pas se planter, faut y aller tranquillement. Tac, on va peut-être faire... Je vais vous montrer, avant de vous laisser, voilà. On a la bombe H et la bombe A. Donc la bombe A, c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Oh, on a une nouvelle bombe, cool. On est repassé à 4, donc parfait. Parfait, parfait. Bon, tu vas nous faire un chantier naval, toi. Peut-être qu'il nous a construit une bombe A. Donc vous avez vu, ça change vraiment d'une ville à l'autre. Hein. Là, on avait que 7 habitants, pourtant on l'a construit en très peu de temps. Toi, t'as un port, un campement, non mais autant que tu nous fasses des bombes. Autant nous faire des bombes, même si je pense que dans 25 tours, ça ne nous servira plus à rien. Ah non, bah t'as aérodrome, mais non, mais toi tu vas nous faire... pas ça. Pas ça non plus. Mais comment il s'appelle le petit, le bombardier, voilà. Bombardier à réaction, 26 tours. Ok. Ok, let's go. Tu vas aller... Non, ce qui serait bien, ce serait que vous alliez ici. Est-ce que tu peux y aller? Voilà, tu vas aller là. Parfait. Toi, oui, je t'ai pas trouvé d'endroit. Non. Enfin, je sais que tout là-bas, ils avaient besoin. Ils avaient encore besoin, ouais. Notamment pour ce crabe. Voilà, tu viens de faire 8 tours pour un crabe. Allez, c'est parti. Toi, tu vas continuer à aller à Londres. C'est ça, t'étais à Londres. Raté. Tu étais à Delhi. Eh bien, tu vas utiliser une ville. Oh, Athènes. Athènes a énormément de production. Ouh, c'est cool. Enfin, Athènes est recouverte d'uranium. Athènes sous l'uranium. Incroyable. Incroyable, incroyable. Est-ce que tu peux passer par là, du coup, petit bateau? Non, là, ça nous ferait faire tout le tour. Ok, très bien. Bon, de toute façon... Non, pour l'instant, vous passez votre tour. Tu passes ton tour aussi. Voilà. Par contre, voilà, votre petit bateau peut... Peut bouger par là pour aller attaquer la ville. Ça, y a pas de souci. Hop, non, toi, je voulais te réveiller, pas toi. Voilà, toi, je te réveille et je te passe juste ton tour. Voilà, vous allez aller par là, les gars. Tac, vous passez votre tour. Tu passes ton tour. Très bien. Au pire, je suis pas obligé de déplacer toutes mes unités navales. Hein. Voilà, parfait. Voilà, tu vas aller par là. Donc vous passez votre tour, les petits bombardiers. Vous avez fait du très bon job. Hein. Du très très bon job. Ah, mais non, je suis con. Je suis complètement con. On est au tour 412. Et il faut qu'ils continuent leur taf. Il faut qu'ils continuent leur taf. Bah oui.
C'est pas grave, c'est ce que je vais faire au prochain épisode. Donc Athènes tient ton corps debout. Voilà, il lui reste Mégare, Éphèse et Pergame. Voilà, donc Éphèse étant la capitale temporaire de Athènes. Donc voilà, ça fait très très plaisir. On est très très bien pour l'instant. Bah voilà, c'est excellent ce qui s'est passé. Athènes est tombée sous l'uranium, est tombée sous la bombe A, une bombe nucléaire qui a ravagé la capitale. Ce qui nous hisse encore une fois en haut du classement avec nos 7. Putain, on est en train de remplir quasiment la jauge, là on est bien. Nos 7 capitales capturées et même 6 civilisations anéanties et colonisées, ce qui fait que nous avons énormément de terres. Bref, voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. C'était V1, ce fut un réel plaisir. Il reste 3 villes pour les Grecs et c'est ce que nous allons détruire au prochain épisode. Les Grecs, mais pas que, également l'Empire Perse qui se trouve ici et les Américains. Gros bisous à tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne V1 Gaming. C'était V1, salut!